Émission Toromisa. Promotion de visibilité de la pierre et de la parole de Dieu. Annonce de force et équilibre. Interaction entre péché et délit de passer la parole de Dieu. Connaissance approfondie de la doctrine chrétienne. Toromisa, c'est une émission qui est cadavérienne. Pour vos prédications, vos clips, vos vidéos, une seule adresse, tapez www.tazarima.fr. Donc en ce moment même, nous sommes en plein en promotion extra matraquage. Donc tous les résultats sont garantis. Olingiba Moulayo, Olingiba Yokayo, Yafana Tazarima.fr, professionnel. Donc on a 100 euros ya Pamba, j'ai bien dit, on a 100 euros ya Pamba. On a le droit à 4 prédications, nulle part ailleurs que chez Tazarima. Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.kazarema.fr. Tazali susu na esengo ya kuyeba ke bozali ebele lisusu liboso ya ba écran na bino pe ba moniteur na bino pona kolanda émission Tobongisa. Tobongisa, c'est votre émission où objectif nango ezali ko rebâtir l'hôtel de Dieu qui a été détruit. L'hôtel de Dieu est allé détruit. Pourquoi? Ils ont détruit parce que les faux prophètes, les faux serviteurs de Dieu, les kotinakati, les messages en Zambé, les Zambé, les Zali, qui captent en Romala Mouté, tout le monde vraiment que désordre et koti au sein de l'église, il y a un objectif et mission au Tobongisa, ils allaient pour rebâtir l'hôtel de Dieu qui a été détruit. Bandumba ba comme une église, bato ba mbiku di ba koti na kati église, vraiment tozo mona ke désordre et komi ndenge bible lobaki bokomona abomination de la désolation et kokota na lié très saint. Na émission alelo, je reçois pour vous l'évangéliste Kalombo Joseph Mwasoa na yende to kosolola ensemble et to partager par rapport ya évolution église actuellement. Pasteur Mbote. Avec l'évangéliste Kalombo, tu peux partager en ce qui concerne l'évolution de l'Église actuellement, parce que tu constates que Abibé a méfait et Kotimingi. Le pasteur s'est divorcé, il s'est divisé, donc, il faut discuter peut sur la macamounio, sur la elongo, na évangéliste Kalombo. Oh, Azaina Biso, awa na kati ya plateau. Babé na kaye, papa Kalo. Papa Kalo, est-ce que okoki ko se présenté et pas ya public na biso, baye babisika ni nyo outi, na parcours na yo ministériel, na denge okomi lelo? Nazali ko répondre na kombo ya Joseph Kalombo Mwasoa. Nazali évangéliste. Naouti, Namosisa, ou Bazo Benga communément pour le moment à Sekan. Tango et Bandaki, et Zalaki, Église sans nom. Tobandeko Sambia, Namavungo, Bisika, Oyo, Bazo Benga pour le moment à Sekan. Nous sommes des piliers, Tobandaki, Moussala, Nazambiwana. Et Nassima, moi, Bokawani, et Aki Kosanama. Tango Bokawana, et Salami. Bisotu Aki Kobima, le roi, tout Aki, la conviction, Moussous. Nous avons inspiré Bissot, nous avons écouté la bande de Moussous, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit directif que Sengeli bosana oya bino pe eloko po banda kotambola malamu na ko banda wana ndeko kosala ke toyo kosala ensemble otozana ko le moment ensemble chrétienne de Lundula, mais l'église comme Azali moisi na nkolo babambare ba komboté. Effectivement. Azara église mo se pour toujours ba ke ezali l'église de Jésus-Christ ressuscité. Parce que ezali église kaka moko. Mais il y a plusieurs assemblées, c'est-à-dire que na boyé binabiso to bi ke moisi na babambare ba komboté. Mais au contraire, il faut bo situer bisika bino bozali pour ba to comprendre que bozala à tel endroit mais vous êtes dans le corps du Christ. Évangéliste Joseph Kalo. Tolingi toyeba parce que tout à l'heure awa outi kolobake bozalaki quelque part vous n'étiez pas convaincu d'une certaine vision et vous êtes sorti. Na livre ya Jacques batuni question moko d'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles? Bible lobi n'est-ce pas de vos passions, hein, n'est-ce pas de vos envies?
si ko biso to lingi to yeba yo za pasteur convaincu outi côté mususu musala nzambe zalaki après obimi na kati église wana est-ce que vous trouvez que division est normal tozo mona division est normal te pe constani ni obiso to sali à cause ya ba division au sein de l'église ba cause nango principalement pona yo ezalini division en réalité ils a deux sens division et koko outa na ba passion de ngoti koloba c'est-à-dire que ba tout ba monique non o yazo sala malamu te o yazo kalinga o yazo sala bona bon mota se décider be kena dima mais nga tang na lobi kena outa ki bisika na outa ki à cette époque là je n'étais pas serviteur j'étais fidèle comme ba fidèle mususu katikati na église mais j'intercédais beaucoup mais j'avais des dons j'avais le ministère mais na terme qui na charité moment on a bande quoi mais c'est que on peut dire vérité ils allaient que tant biso to yaki pour nga nazala ki se bande musu bazala ki wana ba ibisanga que ba to ba se tirailler na église pe ba soda ba yi et tant ba soda ba yi nga bino là où le soda ba se ba yi directement je ne plus là vous comprendre les raisonnements là na s'est retiré, je suis resté pendant 2 ans na côté à l'église Mogote. Mais tant la tigel pendant 2 ans comme nazala qui fonctionnait de l'état, mais ça l'abandon au sala et s'est bloqué. Ma femme a quelque part pour assembler la bande. Ba prophétiser le golan ma femme, ba bisé que mobali na za na Bible akangia ou za na ba pousser révéler. Et mutoza la base ya blocage ya ndako na bino, c'est ton mari. Pour aller ngo fond la Bible était a décidé un côté l'église tenir sa bonne beauté ngai nzambe mutu na bloqué tant madame ayebi senga e troublé ngabe donc parce que toujours souffrir nanda ko zangabi oui isayo alors je me suis rendu à l'endroit où bande ko na bazalaki tant au komika bo bande ko au sambe la preuve bande ko prophétiser na ko prophétiser ser moko asimira bege ndeko ya za ministre de la parole mais à kangi bible a ningi ko fungula mate ya ngonzamba lobike tant que yo ko fungula te ko pambula mate ngabi alors si c'est comme ça je dois ouvrir la bible bande ko na ba bien bike yo to ko tester yo te po nzamba lobi yo za la kite oyé azo confirmer fuka mato sambela pona ko bandaka lelo ko bande ko to prêcher ba lobi exhorter biso tant que on a exhorté ba sepeli na makasi ba lobi mais exhortation le gens ont tout au bande côté à cala mais to sentir guerrement que aux en parole ensemble et pasteur qui bande musala ensemble alors et l'on a remarqué que les locaux on a que ils ala qui la voix de Dieu tant on a zongi na musala parce que na sala qui si mo ba futa kala mais na kin na musala makol na zonga mais tant on a qui na mon chef na nga ibisan que les locaux kendete na pi mena za na séance de prière habiter au Kendete. Vers 16h, il disait que non, travail au salaire, on appréciait ça réellement, et mouton a nia mon aïe. Je ne savais pas c'est qui. Bon, or que c'était un blanc. Tant mon ami, non, tu es un homme extraordinaire, au salaire, travaille sans nous demander de l'argent, ça ou quoi, on veut dîner avec toi toute la soirée. Nathalie Nanda, on a dit que le mot est là. On a dit non, je suis président. Abino, si c'est comme ça. Zoa transport. Et tant la fumule, c'était 100 dollars. Mais dit le lendemain, viens, nous allons encore causer parce qu'il faut qu'à tout le monde. On a fait au moins 5 jours comme ça, 200, 300, 400. Je me suis dit qu'effectivement, c'est ce que Dieu avait dit. Voilà comment la bande. Mais pour revenir là, il y a tourné au lieu pour la division. Sachez que même l'apôtre Paul, na ndeko bazaki na ye Barnabas. Il y a un moment de dissension. Sur un point, tant que baki ko sala musala na nzambe, Jean-Marc azaki na bamote. Mais tant que baki ne pou baki nous visiter ba église wana, ndeko a insisté karake, il faut Jean-Marc azaki. Pour le bise comme ça, yo zo en zela, na pena ke nzela na. Mais ce n'était pas à cause de l'âge. Lorsque il y a eu aussi une vision, mon toi une vision que non mon salut photo ça la mon beau à mon que pour ne pas scandaliser les gens pour ne pas troubler les gens vaut mieux laisser ces messieurs évoluer n'a peine évoluer la démonstration mais pasteur
ce que multiplication à l'église oyo ezo naître na ba division na yo attaque serviteur de Dieu ozo monango nini ozo monango eza normal to eza eloko moko eza condamnable non tokolo ba ke c'est la volonté de Dieu ezana oyo ezana volonté la nzambe na oyo ezali pe volonté abatu parce que nous devons distinguer ça ezana oyo ezana volonté abatu batu mango moko albino lokola tozo sala bonga pe fona sala yanga. Mais ça, la moussou se Zamba confondre à confirmer que sort. Je te donne un exemple. Vous autres travaillez avec un pasteur qui est sorcier. Mais vous y habitez. Vous autres travaillez ma casse. Mais à certains moments, tu te rends compte que ce monsieur est possédé. Mais monsieur, on a ça possédé à sa tchaba gelon. Au haut de boulonne, il était. En tant qu'il y a un écran d'un tout bon écran, ça ne changera rien. Il est là, il est considéré comme tel. Mais yo, en tant qu'un enfant de Dieu, au lieu, il y a autant de calomnie. Parce que la Bible est là, que laisser livrer et les blés croître ensemble. C'est la moisson qu'on va séparer. Parce que les longs noms, c'est à sa faux. Attends, les qui n'écran, la lobby, à sa faux, à sa grand bateau, bazon d'imaï. Mais laisser l'éternel à la fin, c'est-à-dire au moment de la moisson. À quoi séparer l'ivraie et le blé? Pasteur, s'il vous plaît. Siko, comment reconnaître un bon serviteur de Dieu avec un mauvais serviteur de Dieu? Comment est-ce que ça la distingue? Il y a trois choses fondamentales dans l'ensemble. Il y a la vision. Il y a l'ouïe. Il y a le toucher. C'est-à-dire, la vision c'est quoi? Si tu ne vois pas, parce qu'il y a des canaux qu'on appelle des canaux de révélation, qu'un enfant de Dieu, quel que soit, ose à la serviteur, tu dois posséder ça. Ose que ose à la moté, les ligaments ensemble, et puis la utilité. Parce que le monde spirituel, c'est un monde qui est invisible. Il faut voir ce que les autres ne voient pas. Pour comprendre que, ose à l'ouvrir la banane, baza banane. Et ose que ne la banane. Deuxième élément, c'est l'oracle. Ce que vous avez quand même vous avez dit, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit. Mais ce que vous avez dit, je donne l'exemple dans la Bible avec les jeunes Samuel. La Bible est dit que la parole de Dieu était rare du temps de Samuel. Mais l'église était là. Chaque jour, Samuel a appelé ça, Mouinda dans le temple. Et celui qui était le sacrificateur, c'était lui. Donc l'église peut exister. Mais si l'église ne tire pas attention qu'il faut la vision, il faut l'oracle, il faut le toucher, c'est-à-dire que c'est une église morte. Pasteur, on a compris la vision, on a compris l'écoute, mais le toucher, aussi bien qu'on va la monter. Quand vous parlez du toucher, vous allez faire allusion à nous. Le toucher, c'est-à-dire que ce qu'on appelle le surnaturel sur le corps des hommes de Dieu. Et sur le corps des enfants de Dieu, parce que la Bible dit que nous sommes les hommes spirituels. Un homme spirituel n'a pas peur de ce qu'on. Je sens directement que ça, c'est un homme de Dieu. Mais pasteur, avec ma pasteur, est-ce que le surnaturel a des choses? Non, et le surnaturel, c'est ce que je dis. Et le surnaturel, on a une tocota. Beaucoup de gens ont perdu ça. C'est pour moi, pasteur, comme ça, là. Pour le cas de la magie, pourquoi pas perdre le surnaturel? Or, que le surnaturel pose en haut. Ça demande de vie à sanctification à un niveau très élevé. Ça demande de prières intenses, c'est-à-dire qu'il faut avoir la prière personnelle, la prière en groupe, la vie de prière, la vie de la piété. Si vous avez la vie de piété, c'est tout à fait facile de comprendre ça. Moi, ça m'arrive. C'est pourquoi on a besoin que je me suis même éloigné de la Batumsousso. Mon apôtre Tozaï qui n'a eu jour. Il est arrivé, na outi dans des prières, na pesi le pasteur que moi j'ai considéré. Ti le lon attend en combo na été. Na pesi mbout, mais tant na zo pete na ke zi trois fois. Na biso to zaina permis que c'est un sorcier. Habité, il faut senga pardon. Habité na senga pardon te. Dieu m'a dit que lorsque na zo ke loko c'est monsieur possédé. Il a salé Mais cinq ans après, le monsieur a été publiquement dans l'église.
Mais Pasteur Kalo, et l'Europe remarque mon batouba sali. Bino, apparemment, vous connaissez des pasteurs. Oyo baza ba divorcé. Ba koyi kote a batouté, selon la parole de Dieu. Boye pipe ba pasteur, ba koti déjà ba franc-maçonnerie, ba koti ba science occulte. Boye pipe ba pasteur, oyo, baza ou sa y la sorcellerie, oyo baza ou sa y la magie. Mais on a l'impression que vous avez dénoncé Bangote. Vous avez averti ça au peuple de Dieu par rapport à la réalité. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non, non. Nous avons averti les enfants de Dizakandé. Nous avons l'éclaircissement. C'est-à-dire que c'est ça la lumière. Pour dire que si tu trouves un pasteur qui est dans la fornication, qui n'aime pas la sanctification, même à ta zone, c'est le miracle, c'est le miracle mensonge. Même à Tazoko et Sabato, ce n'est pas la puissance de Dieu. Comment un pasteur a fondé Naikobo? Un pasteur, il est divorcé, il a plusieurs femmes. Azo, ça, les désordres de Magas à un niveau très élevé. C'est quand on fait la parenthèse, mon cœur. Il y a un pasteur à Bengsing en église, je suis allé dans cette église. Mais tant que Moussa les Salam, tout le monde est pour toi. Moussa les Salam, mais papa. Ban en église, mouvement, la mouvance du Saint-Esprit, ban à Bayamboli. Batangi na pasteur. Kaza di kangou na biso. To bengi ye. To yibise ke. Tika kousa la moussa la lansam. Tu yé nempi. Lela même pas lansam. Mais zambi so kogoyo ke l'omawa. Mais ce pasteur a refusé. A refusé à Kobi. Parce que c'était son église. Mais ban na kartin de batwa bengane. A ou tout zolo va pou le maza na kafoufou. Église est pas ça. Donc. Et l'ok tout zolo ba. Nous, nous allons éclairer seulement le peuple de Dieu pour les longs colobas. Parce qu'on a besoin de sa publicité pour l'église. Non. Nous allons colobas de ne pas citer les noms, mais de donner des principes pour identifier le faux et le vrai. Parce que Balaam, il était un faux prophète. Mais Balaam me dit quoi? Moi, fils de Bor, lorsque Nazako s'est posterné, les yeux s'ouvrent. Je contemple la magnificence du Très-Haut. Mais Balaam, il était un faux prophète. Israël a se laissé séduire par Balaam et Israël a sali Ekobo nzamba ekobo mabango ebele. Donc baza ebele, mais beaucoup remarqué bango kaka na comportement ya un pasteur. Si vous trouvez que ces messieurs n'aiment jamais la sanctification, et ce qu'on remarquait dans ces églises là, matière sur la sanctification et en musica. Ils ne parlent pas de ça. C'est la parole d'encouragement. Mais Dieu peut te bénir lorsque tu es en harmonie avec l'Éternel. Mais, pasteur, tu remarques que parce que vous parlez mingi sur le message de la sanctification. Mais actuellement, nous constatons que ce message est isoté. Il semble que vous prêchez plus la prospérité, vous prêchez plus les voyages, vous prêchez plus bambongo. Donc, nous avons toujours dans l'église, nous avons la conception que nous avons bon, nous avons besoin de bon, nous avons besoin de bon. On dirait que le niveau spirituel, il faut être dans le niveau matériel. Nous avons besoin de bon. Il y a quelque chose qui est sport. Le message c'était sur le sacerdoce. Comment devenir un sacrificateur? Et sacrificateur à Zandéine selon le modèle de Messie-Sédèque. Donc, nous avons montré aux enfants de Dieu que. Ceux qui ont le royaume des sacrificateurs, voici des garde-fous. Et voici le comportement. Nous avons différent avec les autres. Dans le message, on ne s'écarte pas de la sanctification. Donc, le message de notre Père, même temps, toujours le blessé le temps de la fin. Toujours, qu'est-ce qui s'est battu? Parce que vous avez particulièrement pour moi, la caméra, il y a un message. Non, non, non. Il y a un message pendant 4 mois. Il y a des bandes. Parti par parti. To fungole loko moko na moko. Donc to banel collectionner ne sacrifice bilamba. Collectionner bilamba ce sont les œuvres. Que aujourd'hui, au gomo na batu ebele, ba tongi ba touche balade. Mais ça aussi. Et nous comprenons. Non, non, il roba milai, bozola tout ce qu'on veut dépasser. Non, c'est manque il y a parole. Mais parce que hier autrefois, vous avez critiqué les catholiques. Vous avez critiqué les protestants par rapport à ma porte, à ma tenue, à Bango, par rapport à ma soutane, par rapport à ma tenue. Vous avez même dit que c'était. Donc, dans la même prédication, moi, je me rappelle, via une époque, on disait que l'église a imposé un uniforme.
Et ça, l'église moko satanique, il ne faut pas qu'on fréquente l'église. Mais tout le monde est bien moko le système, il y a imposé un uniforme. Comme il y a un moko comme une soukoula, tu as un soutani. En plus, il y a un titre moko exagéré. Il y en a même qui s'appellent des archidiacres, des archibishops. Le titre, il y a un moko. Il y a un moko qui s'appelle. En plus, modèle, il y a un soutani. Comme il y a un moko. Il y a un lobby qui a un problème, il y a un manque, il y a parole. Et manque, il y a connaissance approfondie. Comment il y a ensemble, il y a deux étapes. Il y a une étape où il y a le lait, milik, qu'on donne à n'importe qui. Il y a une étape où il y a le repas solide. Et dans le repas solide, ça dit qu'il faut qu'on décortique, qu'on comprendre. Et là, il y a ensemble, il y a Zambala. Dans l'ancienne alliance, dans le nouveau alliance, il y a Kolobanine. Je vais vous dire que la Bible est une langue. Bible zo le mango polele. Hein? Bazo expliquer que robe oya pembe ils allaient les œuvres juste de saint. Mais biso pour le moment tozali tena sacerdoce aaronique. Organe à sacerdoce aaronique ezala ki biloko moko visible. Mais pour le moment c'est dans les choses invisibles. Pour tout mukanda ensemble zo le bété, c'était l'ombre des choses à venir. Mais tozo mona lelo. Toko lobanine, ils allaient manque ya luba ensemble. Ce que ils allaient manque té ce sont des satanistes qui veulent troubler l'eau pure. Effectivement, Binomoko Bozali Kolanda Tozali Awana évangéliste Joseph Kalombo, avec lui nous échangeons par rapport à comportement actuel au niveau des serviteurs de Dieu. Vraiment, ce jeu est très délicat. Il y a aussi une régie à proposer ce clip Moko, le temps sur ce soufflé, Petozoni Awa, pour continuer avec l'évangéliste Joseph Kalombo. www.casarema.fr Merci Yannick Wenge pour la
clip qui t'a été proposé biso tozongi sou de na plateau oyo avec l'évangéliste Joseph Kalumu. Papa na biso batu mingi lo balinga babenga bango ba pasteur batu mingi baboyaka ba titre le roi évangéliste tout ça ba monaka en fait les gens confondent parfois évangéliste avec gagneur d'âme. Si ko yo d'abord par rapport à Ndengo Zali, vous acceptez d'être appelé évangéliste. Si vous avez une corrélation, une différence entre évangéliste et gagnant d'âme. Na lingi avant de répondre à la question, on a tout le temps à Ephésiens 4, verset 11. Isolo Bobo. Celui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, et d'autres encore comme pasteurs et enseignants. C'est-à-dire que ce sont des ministères, mais ils ont la tige, mais ils ont 5 branches. Tige, on a besoin d'un ministère de la parole. Ils ont 5 branches. Tous ont un docteur, on a besoin d'un enseignant, tous ont un pasteur, tous ont un évangéliste. Vous allez payer la prophète. Mais na wolobela ndenge otuninga mutuna na wolobela mingi likolo la évangéliste na gagner d'âme. Évangéliste c'est un ministre puissant de la parole de Dieu. Batobaye barate, il n'y a que deux ministres puissants, il y a l'apôtre et l'évangéliste. Pourquoi? Bazali puissant parce que ce sont les gens qui rangent la foule, qui ramènent cette foule dans la bergerie. Donc, ce sont les gens baza toujours très bien équipés, tant bazo salam salam avec des signes, des prodiges et des miracles. Ce que tali évangéliste Philippe, Étienne, na musana na wo bango basalaki, c'était toujours avec des signes. Ce qui montrait parce que bango de bazali ko apporter le lobe pour démontrer que Christ est ressuscité. Il est en vie. De bangwana. Mais tandis que le pasteur, lui il est là uniquement pour na ko encadrer que Bampato babunga te bafanda. Bafanda. Mais gagner d'âme, n'importe qui peut devenir gagner. Gagner d'âme, c'est quoi? C'est d'aller raconter aux gens que non, accepter le Christ. Venez dans notre église. Il donne, il peut donner papier, copier sa rendez-vous. Moi, si je peux m'en aller, non, papa, les locaux se prêtent aucun dans l'église. Mais un évangéliste, lui, démontre que ce Dieu-là est vivant. Pour que les gens acceptent de venir. Parce qu'un magicien ne peut pas venir dans une église parce que il y a une église dans l'église. Non, il faut mon que bilo kunguya naye ba détruire ango, ils en ont rien. Albité il faut accepter. Tout monde qui Philippe namboka na Samarie avec un certain magicien. Magicien on en dit magi parce que il étonnait les Philippe aye à mon miracle, à mon makambo asad évangéliste albité muto alekinga. Pasteur, vraiment, sans qu'il y ait une idée, on a tout une question. Est-ce que Moutou a pu changer le ministère? Est-ce que le ministère a pu changer? Parce qu'on a remarqué, on a dit ça, et Napoto surtout, au moins Moutou a bandé des évangélistes, on a la gomme, on a gomme, on a chemise, on a kaouka, on a 10 bandimi. Ce bandimi, on a commis moi 100 ou 120, on a commis ici apôtre. Est-ce que l'eau qu'on est au sein de ma kémoutou à na ministère boué à eux comme un ministère boué? Est-ce que ma ministère d'abord et ça n'a pas grade tout ça la hiérarchie mon gros pour nous répondre à mon tournant et à mon tour bac et à l'ébosso qui ça manque la parole de Dieu parce que ministère ma comme à tes mais ma botte à ma canard tout ce monde à Jérémie cola zoé bise qui est tant aux ala qui n'a pas les bons assez la bonne à qui tout ce monde à la porte à poison avec lorsqu'il a plu à celui qui m'avait élu dans le sein maternel. Donc, c'est-à-dire que le ministère est beau tamanango. Ils allaient par manque, il y a des enseignements sur il y a le ministère. Ils disent que c'est tout. Ils disent que c'est un évangéliste. Ils disent que c'est un évangéliste. Ils disent que c'est un pasteur. Ils disent que c'est un pasteur. On m'a donné mon candidat Esaïe 49, 1 jusqu'à 12. Ils disent que c'était quoi? C'était en pleine prière, quelqu'un me dit, toi, tu es un serviteur. Mais lis Mukanda Oui. Et tant qu'on atteint Mukanda à Esaïe, j'ai compris que mon travail, c'est de délier ceux qui sont liés. Et d'aller affronter. Même ce qui m'arrive dans la Bible, je sais que non, c'est le travail que Dieu m'a donné. Et c'est confirmé. Sauf un peu la Bible, Mukanda Timothée,
ne néglige pas les dons que tu as reçus par prophétie. Donc, papa Kalo, il y a un ministère qui évolue. Peut-être, il y a un ministère qui est évolué. Moi, je ne dis jamais que je suis pasteur. J'accepte que je suis évangéliste. Mais j'ai plusieurs dons. Et dans ces plusieurs dons, j'ai le don de gouverner. Mais je ne suis pas pasteur. Parce qu'il faut battre baby le coin. Il y a des dons. Quelqu'un peut avoir le don de gouverner. Tout le monde est Philippe. Il est évangéliste, mais il est demandé de diriger l'église à Samarie. Parce qu'il avait le don de gouverner. Il faut battre comprendre le coin. Pasteur, on le sent, c'est dans son enseignement. Mais au lobby et le mot est très clair. Mais bisous, tous en la difficulté au Nini. Que autres allez constater, ou bisous, autres allez observer. Que ma misousou même, pour n'a qu'au qui m'a terme, parce qu'apparemment, ma grade misousou, bon, combat, par contre, on esprit mini à grade, on dit, bazou, on a pas porté, bani les autres simbaté, les autres ont choisi des termes, tant misousou, beaucoup plus hiérarchiques. Hein? Vous n'êtes pas sans ignorer que certains se font appeler général, d'autres se font appeler évêque général. D'autres se font appeler archevêque. Bon, tout cela, toujours est origine en côté. D'abord, est-ce que ça va terme biblique? Tout ça, biblique, tout le monde va créer. Pour nous répondre à mon tour, ce sont des termes qui ne sont pas bibliques. Ce sont des termes créés. Mais tant que vous créez des termes, ça dit que vous avez bombé le monde. Ils ne veulent pas dire ça ouvertement. Quelqu'un, si te dit qu'il est évêque général, ça veut dire quoi? Il veut dire qu'il est le souverain sacrificateur. Or, la Bible nous montre qu'il n'y en a que deux. L'autre, selon l'ordre d'Aaron, il n'est plus. Mais pour le moment, tout ça, l'autre qui est vivant, qui est ressuscité, c'est Jésus-Christ, selon l'ordre de Melchisédek. Alors, ce que sonné, tu vas comprendre que non, il veut s'égaler à Dieu. Donc, même c'est écrit dans la parole de Dieu, il y a des hommes qui s'égalent à Dieu. Donc, ce sont des antichrists. Bazo comprendre les textes qui sont en train de combattre la parole de Dieu. Tant que le bique est archipape, ça ne se trouve pas dans la parole de Dieu. Mais ça veut dire quoi? Il est au-dessus. Or que celui qui est au-dessus, il n'y a qu'un. Nous tous, nous sommes des simples serviteurs dans sa maison. Il nous a donné des noms. Il nous a déjà nommé que tel sera un pasteur, tel sera ceci. Mais il y a ce qu'on a ajouté combo à Moussousou. Intention les animes. On comprend que c'est pour torpiller même l'évangile. Un évangéliste, Joseph Kalumbu, est-ce que vous pouvez expliquer Matthieu chapitre 23, na Jérémie 23, ainsi que Matthieu chapitre 7, verset 15, où est-ce qu'on dénonce Mingi ba faux pasteur? On a aussi l'impression que vous avez dit que vous avez dit. On a répondu à Moutoune, c'est tout le temps à Nano, tout le temps à Matthieu. Alors Jésus s'adressait à la foule et à ses disciples et dit, les spécialistes de la loi et les pharisiens sont chargés d'enseigner la loi transmise par Moïse. Faites donc tout ce qu'ils vous disent et réglez votre conduite sur leurs enseignements. Mais gardez-vous de prendre un modèle sur leurs actes, car ils parlent d'une manière, ils agissent d'une autre. Ah, pour vous répondre, que le Christ lui-même, en tant que le maître, en tant que Dieu lui-même incarné dans la chair, c'est-à-dire que Akutaki, c'est ce qu'on appelle le vendeur dans la maison de l'Éternel. Il avait trouvé le vendeur de pigeons, le vendeur de bœufs, mais ils changèrent des monnaies. Bazalaki dans la maison de l'Éternel, ayeko chassé bango. Mais tant wa bengani bango, il a trouvé encore l'autre catégorie ba sadducéens et ba pharisiens. Donc les gens qui avaient comme principe il y a qu'au lata bilamba, qu'au tambola, qu'au sala, comportement mon rôle c'est que tout ça va tout ensemble. Même l'obana bango, et bien là c'est que au bazo l'obana au bazo sala c'était le contraire. Même actuellement, bilo quoi les amis. Donc c'est pour vous dire quoi? Livré et le blé, et c'est quelqu'un qui court ensemble. Le faux et le vrai, et c'est les sales. Parce que les autres puis ce tour l'obano, tout bouté bâton est dehors, tout banda golande là bas, tout aussi ça va monter. Parce que Paul a dit que attention, ce que vous avez dit, Timothée conseille qu'il y a de faux docteurs. Tant que Paul a dit, il y a une décennie, il y a
plusieurs années depuis pour la loba que ba faux bazalaki alobi ke boke bana kingambi ils m'ont basalinga passe mais tant azo le monde ils étaient dans la maison de l'Éternel mais mamusu bazo prêcher que non l'enlèvement c'est cela ba balobi te baton bazo te makambo lukuta. Ces gens-là ont existé du temps de Paul, du temps de Pierre. Mais là, même na sewana na verset, je crois bien 7 ou bien na verset 6, balobi que ces gens-là, bah pharisiens, bah spécialistes de la loi, qui représentent les serviteurs de Dieu aujourd'hui, bah c'est qu'au linga les places les plus en vie dans les synagogues. Or c'est la même chose. Oh, bah c'est plus qu'on remarque les lots pasteurs na kati abitonga au mona yo évêque bah le tala kiti amuneni. Presque on dirait trône moko boye ma fidèle ba vandi na sima to avandi ba kiti ya ba plastique mais yo ba zolo kiti moko ya kitoko avec divan hein? Toujours remarqué même les sous plus grave encore boti côté un interprète tant bo kita boye yo ba pécho serviteur de Dieu secret au monde interprète bo sali pratiquement musala moko atama ya pambo ya 100 francs ba sommelierité hein? Évangéliste biloko wana yo atake mo sai na nzambe ozo mona ngonde ngeni pour la répondre na mutuna na yo. En principe, Christ il était confondu avec les disciples. Pour Bakangaye, c'est là qui va payer ses baisers. Ça veut dire quoi? Bah ou Bayaki, moyen Baye Baké, maître Nde Oyu Zalakite. Fallait que Judas a poépoyé pour battre. Ah, Ndeye. Ça veut dire quoi? Pour le moment, bah ou Bazo Salabilon, ce sont des pharisiens. Donc l'église, pour le moment, c'est pas mis que l'église manie les côtés d'une église. L'église est comme une église morte. Il sera convoqué à Jésus-Christ. Parce que ma pratique au bazar au sal, ce n'est pas différent avec les pharisiens. Autres au monde actuellement. Parce que yo, beaucoup comme ça la musala là en dépend. Beaucoup font bien les pembe, bon mais des mains sucrées, va pêcher nous bonnet là ensemble. Mais si qu'on yo zo lingake, on l'a c'est que yon deux ali kolo. Non. Biloko on a ces sons, biloko ba koti si ming, na soko la nepe bande kon na ming, na cesse au kuta que y a autre chose. Ce n'est pas le Christ. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Que vous préférez être la bicycle à Minène. Mais vous avez un salon le contraire. Vous avez une église de tombe. Vous avez un salon de tombe. Ce sont mes avec. Vous avez une église qui comprend le locomote. Puis vous avez un temps de la Bible, mais vous comprenez le locomote. Donc, vous avez un salon de tombe. Vous avez bien que, tant que vous avez un salon de tombe, vous avez un business. Vous avez un salon de tombe. Vous avez un salon de tombe. Je pense au yé quand même en église, c'est que tu as like. Au moment que moi j'étais dans la foule avec les fidèles. Effectivement, on a remarqué que le Kohana qui osa like dans la foule avec les fidèles. Mais na lingina tout na oza pratiquement mon tout nga ya avant dernière question. Ya bonati ki la yo ma lobapo batumingi pe ba ebité évangéliste Joseph Kalumwazali pe écrivain biblique. Donc azali plutôt écrivain chrétien. A komaka ba livre oyo etali makambo nzambe toza pe un exemplaire ya livre na emoko awa a ko parler biso na suka ya émission oyo mais na lingina tout na boye papa to constater pe lelo bana ba pasteur mingi to ba serviteur de Dieu mingi bazo bima baza na ba père spiritualité bazo benga ba Melchisedek sikoyo to lingi to tuna to bana na yo évangéliste Kalumbo est-ce que yo za na père spirituel premièrement pe bato baza na ba père spiritualité. Mais bazali ko prétendre être les serviteurs de Dieu, yoko ko pesa avini na situation wana. Pour ne répondre la mutuna na yo, la notion ya père spirituel, c'est une notion très complexe. Moi, nazo condamné batute o bazali ko utiliser ces termes, mais j'en ai fait pas ça ezala un problème aussi na ba o bazangi ba père spirituel. Parce que nazo zonga toujours na Bible. L'apôtre Paul azo le baike na consulta ki mutute mutu mokote. Il reconnaît ça dans la Bible. Il dit que na kutani na ina zena Damas na kui na mone baika et bisa ke ende quelque part etant basambili pour na mone baika et longwe abandi musana na nzambe sans consulter quelqu'un et a eu pas instruction pas mutu mokote kagoza na likolo a pc ben instruction le kendo sala musala za. Il dit que j'étais ravi au troisième ciel et j'ai eu la connaissance et connaissance au Nazaraki Nango, Mutumo Kote Mutapesa Kinga. Donc, les lots, moi je ne peux pas dramatiser autour de cette notion-là. Il y a père spirituel. Mais la notion existe dans la Bible. C'est Paul qui dit à Timothée que tu es mon fils que j'ai engendré dans la foi. Mais il y a aussi des cas où des gens ont rencontré le Seigneur sans l'intermédiaire d'une personne.
Et nous ne pouvons pas en faire aussi un problème que on a rencontré le Seigneur sans l'intermédiaire d'une personne, c'est-à-dire que Azali Messisédek. Non. Christ Azali mit du système. Et ce qu'on a dit, c'est qu'il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu. A quoi qu'il est là, il y a des gens qui ont été connus. Il te donne des directives. Maintenant, il faut que nous ayons un père spirituel. Mais est-ce que l'évangéliste est calme? Vous avez un père spirituel? Réellement, Dieu m'a appris moi seul. Mais quand même, j'œuvre avec les gens. Je peux dire que le père spirituel est un lobby et vous allez passer mon. Parce que c'est ma mère qui m'a poussé beaucoup. Il dit que tu dois prier. Côté la Likamon ensemble. Et Bisika nous sommes au Kende, Dieu me guidait d'une manière ou d'une autre. Bisika maman me makinga, c'était na sangou malam. Étant comme na sangou malam, je faisais les cours bibliques à Emmaüs. Na cours biblique, je suis tombé sur l'œuvre du Saint-Esprit. Et moi-même, je voyais des visions. Moi-même, je sentais des oracles. Mais tant que je retourne à pasteur, il me dit ces choses, ça n'existe plus. J'ai dit non, au revoir. Je suis sorti de là. Maman, bon, de l'habiter, bon, bon, dit non. N'a pas dit que c'est la Bible. Mais pasteur, a dit que c'est la Bible. Il a dit. Alors, je suis arrivé ici comme étudiant. Je suis arrivé dans l'église, dans l'autre côté de l'église. Ce que je cherchais, c'était quoi? Je suis arrivé dans l'église prophétiser. Pour comparer ce que moi aussi je vois. Ce qui est réel et ce que la Bible dit aussi. Si on a autant de gens, mais même dans l'église, je ne vois pas, moi aussi, à nos connards. Je ne vois pas tout ça. Je ne vois pas tout ça. Je ne vois pas. À la fin, il y a un culte à tout le monde. Il y a des prophétesses qui sont habitées. Ce ne sont pas des prophétesses. Ils ont parlé en langue, ils donnent le message. Maman, on a silikaki. Mais tant que c'est que moi je suis fatigué caractère il faut un look si on a écouté le motabi non na ouais mon dieu ça ou invité dans l'église en zoé car na fandi na yoki après na bimi non ici n'y a rien jusqu'à ce que na au coma na bisika baso benga bambole wana. C'était chez papa Jacques na komi bisika na tant on a écouté tata moi c'est na moto a ibisa que yaka oyoka pebiso tant na komi kapa. Quand on s'en met, les garçons sont là, ils ont un message. Ils ont dit qu'ils ont fait un bitoko. Ils ont dit simbinga, non, cet homme, c'est un homme de Dieu. Ils ont profité. Tant qu'on a bimi, on a dit tant que non, j'ai trouvé un endroit. Parce que ma camba lobby, c'est ce que moi je veux. Quand on s'en met, deux semaines après, on a dit qu'on va déménager. Je suis maintenant à Seka. Je suis à Seka. Mais c'était chez un papa qu'on appelle Kalonji Jacques. Je suis à Seka. Je suis à Seka. Je suis à Seka. Je suis à Seka. L'église est bandit, mouvement, papa. Et j'ai vu que la prophétie, le gouvernement dit non, je vais vivre avec ces gens. Chaque fois, quand on a assisté le premier cycle, il y a gradué, il y a un ami. Mais un jour, c'est comme ça que je me suis séparé. Évangéliste Joseph Kalumbo, tu as une souka émission à Bisso. Et monsieur Zalaki, très intéressante. Donc je crois bien que tu as une fois de plus, pour que tu continues dans un sujet qui est vraiment très passionnant. Yango, na linga qui a présenté un peuple dédié brièvement ouvrage na yo. Oye bisa bango pe contenu ni ya message oye koyi kozala ope sa pe ba coordonner na yo pona kolobela likolo na ouvrage automatique ezali ouvrage intitulé temps de la fin tozali kolobela que c'est le message du soir parce que ezali message moko très capital ezali message moko bazo benga de controverses parce que ndembi so tolobi que c'est le temps de la fin ya ba tumso bazo ba keno tozana tango ango déjà. Mais tant que nous sommes tous pour éclaircir les enfants de Dieu, pour nous dire que nous sommes vers le soir, nous sommes le temps de la fin. Le temps de la fin, message au Yézana 6 chapitres. Nous sommes le premier chapitre sur le préalable. C'est-à-dire le préalable, avant que nous sommes tous les temps, nous sommes le préalable.
préalable zanini, c'est la préparation de l'épouse. L'épouse tozo le beza yonanga mutozo yokanga yeba que ozali épouse du Christ. Le sengeli ba préparer yo. Le sengeli ba préparer yo nanini, ba préparer na mafuta. Mafuta o yezali mulimo na nzambe. Sengeli ba préparer yo nanini, ba préparer na mai. Mai ezanini ezali lo bana nzambe sengeli suku lo muto azana kat. E sengeli ba pakolo yo mafuta. Mafuta ezanini ezamuli mo nsambe. Donc na kati ya message o tous les six chapitres, premier service préalable, ils ont la première section où tous les préparation de l'épouse, ils ont la rencontre de l'époux avec l'épouse. Comment nous sommes l'enlèvement de l'église. Mais enlèvement, qui sera enlevé? Dans quatre ouvrages, tous les qui s'accueillent, et c'est que nous traitons cornaille durement. Au missal, c'est réellement parce que l'enlèvement des Ali et l'okumwa na l'ensemble n'y ont Azali causela qui réellement n'a participé. Bible zolobete et causala sélectif et causala secret. N'y a que ba oyo ba yo kaka so ya trompette pour balobé que la trompette sonnera, les morts ressusciteront et ceux qui seront restés en vie. Bakuzo corps glorieux. Deuxième chapitre, Ezali les commencements des douleurs. Nanya kolela. Ezali wo yakotika après l'enlèvement de l'église. Nanya kotika la c'est la folle. Parce que Bible zolobe na Matthieu 25 verset 1 dit dans 12. Balobe te ce sont des vierges bazana balampe ba okenda la rencontre de l'époux. Mais ba mususu ba kuzana mafuta muke pe ba ko remarquer mafuta esili minde kufi. Mwinda c'est la parole prophétique. Et c'est une chose la parole prophétique. Vous comprenez que vous avez attendu. Parce que pour nous, même les satanistes, vous avez commis le bang. Vous avez annoncé même la fin du monde en 2012. Et vous avez dit que vous avez réellement boutou et l'ingé comment. Mais vous avez la parole prophétique. Vous avez compris que vous avez commis pourquoi. Na butu de Christ a koya. Bible dit que au milieu de la nuit, on cria voici l'époux. Et tant que l'époux a koya, a comme message, vierge sage a kena ye, folo nda kotika la tant ton ko ta na ton folo a koli la makasi. Nde tozo le bien dans la deuxième chapitre, le commencement des douleurs. Troisième chapitre tozo le bien l'abomination de la désolation. Après l'enlèvement de l'église, Bible dit le bien la bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre, bakosa la Dieu. Il y aura ce qu'on appelle la trinité satanique. Et trinité satanique, oh, et kosa le te ba ou bakotika la la sam abele, bakonyo koma makasi. Nde toi kokota na 4e chapitre, zo binga la grande tribulation. Ça dit que bakotika la, pour pas s'échapper, pour pas la sauver, il faut que ba le kapa les tranchées de l'épée. Ça dit que il faut bakata ba omitou. Il faut bakouf. Bible zo lobe que j'ai vu les âmes de ceux qui étaient décapités bazole là jusqu'à quand Seigneur aux os et la pour la vengeance la mission na pour aller sur bazole banine j'ai vu une foule immense na tuni ba wuti wa ba mi vient de la grande tribulation donc dès qu'on a mon tozo la ndabiso ko se pelate que on le kana pas la grande tribulation parce que ba ton so arbi ah nana zo sala kaka nkolo akoya ko récupérer biso toza clanure té le kan enlèvement de l'église. Parce que bako leka pas la grande tribulation, ils vont souffrir. Et Bible zo la c'est que ou ko leka par l'enlèvement, yende ko za la couronner, yende ko fande. Des images de 24 veillards, ou bazali assis couronné. Mais ou ya ko leka pas la grande tribulation, Bible zo le beke a ko za la debout assis mi palme d'or. C'est-à-dire qu'a ko za la serviteur, mais jamais a ko za la sacrificateur. Donc il faut ko ça la tout ou leka par l'enlèvement de l'église. On a tout côté maintenant, dans le cinquième chapitre, on a dit toujours sur la bataille à Armageddon. Bataille où on a eu consentement, bisopé nous serons de la partie. Nani la femme, où il y a qu'on a enlevé, parce que Bible nous a dit que Christ a eu un cheval sur le cheval blanc. Et tant qu'on a quitté, il y a qu'on a combat, combat contre l'autorité au monde de tout le monde. Beaucoup sont des satanistes. Ils vont s'arranger, ils seront derrière cette bête qui monte de la mer, ils seront derrière cette bête qui monte de la terre, ils seront derrière les dragons. Parce que les dragons, pour le moment, ils ont besoin de puissance pour diriger mon kili. Et Christ attend à Zoya,
bango ba ko sepelate parce que zo ko mettre fin na reine na bango pour être fin dans la trône ya David. Nde wana tozo le bila 6e chapitre na biso le retour du roi et reine na ye millénaire sur le trône de David. Donc ils ont un message moko très important, très nécessaire pour nous moins dans un minos à se procurer ouvrage au équédo mingi équédifio parce que biso tolobi na temps mouké mais ce sont des messages qui sont 2 mois, 3 mois dans des églises. Mais tu as dit que tu as atteindre l'univers de mon exacte. Alors, l'occasion est aujourd'hui pour nous accueillir que ce que vous en attendez, vous en pour vous contacter pour que vous puissiez cet ouvrage. Et bien, nous avons deux ans. Contactez Nabiso Ezali 081 00 59 821. Mais boîte la biseau email, tu copies ça prochainement parce que ils ont bloqué, ils ont dit que tu fous là, tu peux copier ça de peur que au tin de la biseau message, ils ont les gâtés. Pour rappeler les choses, numéro pour une meilleure compréhension. Ah, numéro la biseau Ezali 081 00 59 821. C'était votre émission Tobongisa, émission Oyo et Sunga Kabino pour que l'église ait à la rebâtie. Pour que tout bon isa babisika et bebaki na recevra qui pour nabino évangéliste Joseph Kalombo. Avec lui, nous avons échangé sur ces thèmes précis, vrai et faux pasteur. To chemina qui n'a pas de conduite yaba pasteur ndenganini et zaliko bebisa moussana na nzambe. Pena souka a présenté qui bino ouvrage na ye ya message du temps de la fin. Yango tonini to remercier batunyon so oyo ba soutenaka émission yo. Nazaliko pense awa particulièrement na apôtre Fedor Buita. Pena pasteur de grâce Bombi, Nazali peko remercier la grande équipe ya Kazarema Kitsasa, oyo ezali ko sala musala moko ya makasi pona ko soutenir émission oyo. Nazali ko m'adresser personnellement na directeur général Blaise Manzambi ainsi que madame Lise Manzambi son épouse, na caméra ezalaki Yannick Wenge, na réalisation Bijou et Kamba, na secrétariat général ezalaki bongo Muleka Sanda. Oyo asunga maka na challenge kalala et bongo na montage na bo sanité Trésor Mbelenga Tracy Pro ainsi que Charlie Kanga sans oublier ba journaliste na biso kitoko Christelle Tala ainsi que Ginette Mavoa maman Odette Safou na bo sanio pété yamba ba mbote ya émission oyo yo pe mutu oni o contacter biso oni ko participer na émission oyo benga biso na ba numéro o ezali affiché na ba ba écran ya bino pe bo consulter biso na www.kazarema.fr site ya munene o ezali ko propager bonne nouvelle du Christ partout dans le monde to monani di susu bo rester branché na émission na bino to bongisa. Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.kazarema.fr. L'Église internationale des vainqueurs vous invite à une très grande convention mondiale des vainqueurs du 28 décembre 2012 au 1er janvier 2013. Pour recevoir la délivrance, vous qui avez été condamné au célibat, venez nous rejoindre pour recevoir la délivrance. Nous vous invitons à venir nous joindre, partager avec nous la présence de Dieu. Du vendredi au dimanche, de 14h à 18h et de minuit à 6h du matin. Le lundi, de 20h à 5h du matin, au 147 boulevard Alsace-Lorraine, 93 110, Rosny-sous-Bois. Venez avec nous expérimenter la présence de Dieu pour la solution de nos problèmes. Dans sa présence, tout est clair. Dans sa présence, rien ne peut se cacher. Les ténèbres fuient devant sa présence, car il est celui qui donne l'éclat au soleil. Ne dormez pas, vous qui avez l'envoûtement, venez vous rejoindre à nous et la puissance de Dieu par sa grâce va vous délivrer. Que Dieu vous bénisse. Pour vos annonces, vos prédications, vos clips, vos vidéos, une seule adresse, tapez www.kazarema.fr. Donc en ce moment même, nous sommes en pleine promotion extra matraquage. Donc tous les résultats sont garantis. Olingi ba monayo, olingi ba yokayo, yaka na kazarema.fr ba professionnel. Donc na 100 euros ya pamba, j'ai bien dit na 100 euros ya pamba, on a droit à 4 prédications nulle part ailleurs que chez Kazarema.
Yesu osala nyonso na tina okenda kobotama na Bethlehem la maison de